Dans quelques jours, on ne sait pas quand exactement vous aurez votre entretien d'évaluation, euh, comme tous les ministres avec le, le chef du gouvernement. Et c'est Edouard ça, Philippe qui va ça, ça, évaluer ça va mal se passer votre à votre action <laughs> ou c'est vous Nicolas Hulot qui allez évaluer le bilan du gouvernement. Non, non, mais vous savez, il y a deux choses. D'abord, moi je, je dépends des décisions du président et du premier ministre et ils ont raison d'évaluer notre action. Ça, ça me paraît être un, une manière de manager le gouvernement nécessaire. Mais moi ce que je pense qu'il faut ajouter, c'est qu'il faut qu'un ministre, il ait sa propre auto-évaluation. Il ne peut pas s'auto-satisfaire en permanence. Enfin, les Français attendent de nous qu'on soit exigeant et qu'on ne soit pas content en permanence. Et alors, il y a et des ben, choses euh, sans... Je vous ai dit, chaque chose en son temps. Il y a des choses que vous avez ratées. De quoi vous Ah ben, bah, forcément, euh, des choses qu'on pas encore, sur lequel on n'a pas encore abouti. On va prendre. Mais voilà, faut... attendez, un an, on a fait déjà. Honnêtement, quand bon. on regarde. Et Donc moi, même continue. Voilà, vous avez... un... vous inscrivez dans la durée. C'est ça qu'on retient. On on regardons matin. déjà ce qu'on a fait en un an. Ouais, ouais, C'est bien. Merci Nicolas <laughs> Merci. Hulot d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1.